bonjour, aujourd'hui on va faire les courgettes farcies. Alors il faut une casserole en inox, la moins chère possible. Vous mettez 15 g de copeaux de hêtre, puis vous attachez une passoire. Ensuite vous prenez de la viande de porc congelée. On va la décongeler le moins possible, juste pour pouvoir séparer les portions. Donc quelques minutes au micro-ondes devraient suffire. Ensuite vous disposez la viande dans la passoire. Puis vous rajoutez une cuillère pour que la fumée puisse monter jusqu'en haut. Ensuite on va recouvrir d'aluminium. Là il y a bien la cuillère qui est encore droite. Elle est là, vous la voyez. Ensuite on va rendre étanche avec du cellophane, le papier film alimentaire. Là ensuite on va mettre sur le plus gros des feux, un feu moyen. Comme ça là. Voilà, ça fume. Tant que ça fume, vous laissez sur le feu. Si le plastique se trouve, remettez de l'alu et du film alimentaire. Il n'y a presque plus de fumée. Vous pouvez éteindre le feu et boucher les derniers trous du film. Là, par exemple. Voilà, après, vous laissez comme ça pendant 3 heures. Vous ne touchez rien. Après 3 heures, vous déballez le paquet cadeau là. Et vous le réfrigérez. Normalement, il est encore froid, donc il peut encore se conserver. Voilà ce que ça donne. Il est bien foncé. C'est meilleur que les knackis, hein, si vous voulez le faire. Ensuite, on va désosser, dégraisser, garder le gras et jeter les os. Ensuite, dans le mini robot, vous hachez la viande maigre et vous l'assaisonnez, et après vous faites pareil avec le gras. Alors pour goûter, vous en mettez un tout petit peu dans un verre et au micro-ondes quelques secondes. Pour le gras, il faut qu'il soit bien mixé, laissez-le longtemps dans le mixeur. Alors ensuite il vous faut deux courgettes de taille identique, vous enlevez le bout des deux côtés, puis vous coupez en deux avec un éminceur. Et vous enlevez les graines, seulement les graines, vous laissez le reste, les graines de courgettes. Ça, on voit des petits... là vous les voyez peut-être là, les petits points, les petites... Enfin voilà, vous enlevez ça. Ensuite avec une balance, vous séparez en 4 parties égales. Puis on va mettre dans la courgette. Voilà, alors pour les trous profonds, vous mettez de la viande avec un trou au milieu, et quand c'est pas profond, vous faites une montagne là. Et pareil pour toutes. Ensuite, on va mettre du gras dessus. Voilà, j'ai mis le gras par-dessus. Ensuite, dans un plat à gratin, vous allez mettre les graines de courge en dessous, poser les courges dessus, puis on va mettre au four. Vous commencez par faire cuire 20 minutes, départ à froid, 160 degrés, ventilé. Ensuite, vous allumez seulement la résistance du haut. Moi, c'est le tourne-broche. Et vous surveillez, il faut que la viande soit bien grillée, mais pas cramée. Il faut vraiment vérifier souvent, ça va très vite. Et voilà, c'est prêt!